C'est vrai qu'il y a des voix qui peuvent se lever, et c'est normal. Mais moi, j'ai rappelé le contexte dans lequel le gouvernement de l'Union sacrée est formé. Ça vient après des consultations, une volonté manifeste de la population, et puis des forces politiques de tous bords qui décident de se mettre en forme. Mais ces forces sont diverses, donc on a quand même de la diversité dans l'Union sacrée. C'est comme ça que des fois, étant donné que nous avons cette liberté d'expression, on suit ce qui se fait. Mais nous, au niveau du gouvernement, d'abord nous fonctionnons comme institution. Constitution unie, solidaire. On l'a vu lors de notre dernier séminaire, nous sommes sortis de là avec un discours de cohésion. D'abord au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, indépendamment de nos bords politiques. Et puis, finalement, de concentration vers l'action que nous devons mener. Et donc, en tant qu'institution, nous nous comportons comme tel. Nous disons aujourd'hui, d'abord, que nous devons protéger cette union que nous avons. Et nous devons décourager toute action qui vient pour déstabiliser ça, parce que c'était l'attente de la population. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, après que tout cet effort soit mené, après qu'on ait des résultats, parce qu'on a montré ici que nous avons des résultats positifs, que nous pouvons oser espérer on a un Congo meilleur, ce n'est pas le moment de venir couper cet élan. Les difficultés, elles peuvent avoir lieu, mais il faut qu'on arrive à les surmonter. Et aujourd'hui, parce qu'on parle d'élections, au niveau du gouvernement, il faudrait que nous puissions mettre les moyens suffisamment à temps. Il faudrait que nous puissions avoir cette question du fichier électoral révisé effectif. Il faudrait que finalement nous puissions avoir les acteurs avec lesquels nous allons les faire. Pour que nous puissions faire tout ce travail, il faudrait que nous puissions avoir le bureau de la CENI. Et aujourd'hui, nous regardons du côté de l'Assemblée nationale en disant la loi sur la CENI a été.